Les dynamiques pour la majorité du peuple est plus que jamais déterminée à poursuivre le processus électoral en cours au Togo dans le cadre des prochaines élections législatives et régionales, peu importe les difficultés. Nous sommes conscients que ça ne va pas être une partie de plaisir et qu'il faut travailler. Et ce travail a besoin d'être financé. Le mot est lâché. La DMP a besoin de fonds pour être efficace dans la mise en œuvre de sa stratégie, celle qui vise notamment à surveiller tout le processus électoral et sécuriser les résultats. Les responsables de ce regroupement des partis politiques et associations l'ont clairement fait savoir ainsi à la presse ce 16 juin 2023 et appellent à une solidarité financière. Je vous assure, si en âme et conscience, je sais que c'est 100 francs que je peux donner, ces 100 francs ne seront pas de trop. Ils ne seront pas inutiles. Déjà, plusieurs mécanismes sont mis en place par la DMP pour la réussite de cette opération financière. On a mis en place des comptes GoFund, des comptes qui sont installés un peu partout à l'extérieur du Togo. Mais il y a aussi des comptes Timoni et Flouz. La DMP promet la transparence dans la gestion des fonds qui seront collectés. L'occasion également permet à la DMP de faire le bilan du recensement électoral qui a pris fin dans la zone numéro 3. Bilan qui, pour la dynamique, a révélé des irrégularités et d'anomalies dans la dite zone. Lenteur du travail et insuffisance des matériels sont les quelques-unes relevées.